Hey, salut tout le monde, c'est Ultraman. Il était temps que je vous présente le coronavirus que j'avais un petit peu délaissé pendant un bail. Alors, pourquoi le Corina? Évidemment, c'est parce qu'il y a Corina. Pourquoi vie? C'est évidemment parce que voilà. Et pourquoi russe? Il n'y a aucune raison et j'essaie de faire passer ce nom et personne ne veut reprendre ce nom et personne n'aime la blague. J'ai essayé, je vous assure. Ils ont même été jusqu'à l'appeler Corvina dans le méta snapshot. Mais ça veut rien dire Corvina. Ça veut rien dire du tout. Appelle-le Covid-18 parce que Vi, quand elle est buggée, elle a 18 d'attaque. Je sais pas, un peu d'invention. Non, je rigole. Je vais me faire tuer. Là, je viens de perdre toute ma monétisation. Hein, parce que YouTube, il aime pas trop ce genre de. Le mot coronavirus dans cette jolie petite. Crise, eh bien YouTube ne l'aime pas du tout. Bon, sur ce, c'est pas grave. De toute façon, hein, je mangerai des pâtes. En attendant, eh bien le deck, il est plus que classique et il est ce qui était déjà joué avant pendant la bêta. Il a un petit peu été changé, notamment pour inclure Vi. Pourquoi? Bah parce que Vi est complètement insane en termes de statistiques. Elle est incroyable. Je suis désolé, de toute façon, hein, robustesse, challenger, rajoutez-lui des keywords. Vous voulez pas rajouter une petite barrière là, elle a pas assez de keywords. Donc voilà, vraiment costaud, et puis tout simplement parce que dans cette méta, on a d'autres options que celles qu'on avait auparavant qui avaient tendance à bousiller votre main. Je pense notamment à enthousiasme, dont le principal problème était la réduction de la taille de votre main et la réduction de vos options, parce que vous deviez défausser une carte pour le jouer. À côté de ça, eh bien. On voit aussi qu'il y a moins de ruines dans une méta qui est moins orientée dessus. Alors étonnamment, il y a des Demacia, il y a des decks qui jouent des boards plutôt larges, mais la ruine est rarement la réponse que vous voulez leur donner. C'est-à-dire que même les grosses créatures comme ceux qui endurent, etc., ont désormais tout le temps une atrocité à vous envoyer dans la figure. Donc la ruine est tout au mieux une réponse situationnelle. Et au pire, eh bien une carte morte. Ou contre Ionia, eh bien une carte qui va se faire déglinguer par un petit rejet. Donc pas super efficace pour vous. Alors, le rayon thermo, vous commencez à connaître. Vous dépensez l'intégralité de votre mana, vous infligez la même quantité de dégâts à une unité. Donc, c'est très sympathique. Je suis désolé, mes chiens aboient comme pas permis. Et quelqu'un a décidé de leur ouvrir la porte au moment où je commence cette vidéo. C'est incroyable. Je pense que tout est occupé à se liguer contre moi aujourd'hui. Je t'en peux plus, c'est pas grave. Alors, le rayon thermo va infliger la même quantité de dégâts à une unité. Donc le rayon thermogénique, si vous avez 3 mana, va infliger 3 points de dégâts. C'est très utile pour gérer les Elise. Et vous vous dites, bah c'est très utile, ça vous coûte 3 mana, la Elise elle en coûte 2. Mais je vous assure que, vu la difficulté de gérer une Elise de façon générale dans la méta, gérer Elise pour 3 mana est tout à fait agréable, tout à fait standard. C'est la force d'Elise, justement, la carte qui vient après. C'est que c'est une carte qui trade up, donc qui trade avec un avantage contre littéralement toutes les cartes du jeu. Il y a extrêmement peu de cartes qui peuvent aller prendre un trade sur Elise et qui peuvent se dire chouette, j'ai pris de la value. Donc, au tour 2, Elise, eh bien, va prendre de l'avance sur tout tour 2 adverse. Je pense que le meilleur deal que l'adversaire puisse faire, c'est la 3-1 qui inflige 2 dégâts. Et donc Elise rentre dedans et vous gagnez une 1-1 et vous perdez 2 PV. Mais c'est le meilleur deal du jeu. Il n'y a pas mieux. Donc cette Elise, elle est là pour rester, elle est là pour faire des dégâts. Elle est là pour être extrêmement efficace. Tiens, j'avais jamais vu ce petit truc en bas. Fondation. Oh. C'est les extensions? J'avais jamais vu. Ok, le tir mystique. 2 points de dégâts, vous connaissez aussi. C'est tout à fait standard. C'est bien pour les PV, pour finir après un Ledros, pour finir après une Corina. Et c'est bien pour gérer des créatures en face. Le Vilfestin, très très fort contre aggro, et votre but est toujours d'être fort contre aggro avec ce deck. L'araignée frénétique, quand je suis invoqué, vous conférez plus 1 plus 0 aux autres araignées alliées et moins 1 moins 0 aux ennemis pour se rendre. C'est un bon petit duo, mais depuis son nerf à 2 points de vie, elle est quand même beaucoup moins intéressante qu'en 9 et 3. Pourquoi? Parce que défensivement, la carte est beaucoup moins puissante. Par contre, offensivement, la carte reste tout aussi dangereuse. Et c'est ça que le deck va vouloir faire, c'est de gérer les créatures ennemies avec ses spells, d'être offensif avec ses araignées, avec vie, de prendre plusieurs bons trades, et puis d'arriver tour 9 avec Ledros, Atrocité, de finir la partie. Ça, c'est le plan de jeu idéal. Alors, JTU, le JTU coûte 2 de moins pour se rendre quand vous le piochez, donc ce serait un removal à 3 pour 2, potentiel pour Elise, mais faut pas rêver, ça arrive pas si souvent que ça, surtout que vous n'avez pas des tonnes de pioches dans le deck. Donc le JTU, c'est principalement parce que c'est un enthousiasme qui défausse pas votre main qu'on l'a pris, même s'il coûte plus cher, parce que l'utilisation à 2 du JTU, elle est tout au mieux hypothétique, un petit peu utopique et pas vraiment très réaliste.
Le choc de statique, infligez un point de dégâts à 2 unités, vous piochez une carte. Très sympa pour gérer les corps araignées et vous en avez besoin dans la méta. Puis ça fait un petit dégât faisant le pire des cas, c'est toujours sympa. L'éclosion mortelle, vous connaissez aussi, il y a 3 jeunes araignées, vous leur filez plus 1, plus 0. Donc les araignées deviennent 2-1, vous invoquez 3 araignées 2-1, ce qui met une belle pression sur l'adversaire. Coupler une araignée frénétique, typiquement ça fait 12 points de dégâts. Alors si l'adversaire a une AOE, ça va vous péter votre board et vous y pensez plus. Mais si l'adversaire a pas d'AOE, comme certains decks dans la méta actuellement, comme Viheimer, eh bien vous lui mettez 12 points de dégâts ce tour-là. Et il y a que 20 PV en face, hein. Donc 12 points de dégâts, vous mettez une Corina derrière, ça met 5 points de dégâts, vous mettez 2 tirs mystiques et il est mort. Ça peut aller très très vite, hein. Faut pas 10 tours d'attaque pour tuer un adversaire avec ce deck. Alors, la poigne de l'immortel, drainer 3 points de vie d'une unité. Pas besoin de plus, vous commencez à comprendre comment ça marche. Evie, toujours aussi puissante, hein, quand elle frappe et inflige 10 points de dégâts, elle level up, mais c'est pas son level up qui nous intéresse, c'est simplement la carte de base qui peut aller jusqu'à 10-5 avec Challenger Robustesse, qui peut donc littéralement retirer toutes les menaces du board, et qui peut aussi être une excellente menace en termes d'agression. Si elle a 10 points d'attaque et que vos araignées agrippent tous les défenseurs, elle va mettre 10 points face. Si vous mettez une atrocité sur elle après avoir mis 10 points phase, vous avez tué le mec en face. Ça peut aller extrêmement, extrêmement vite. Faible gémissement, petit AOE à 1 qui vous soigne de 3. L'atrocité, tuer un allié pour infliger des dégâts équivalents à sa puissance à n'importe quelle cible. La carte qui fonctionne très bien avec ceux qui endurent, mais fonctionne aussi très bien avec vie. Pourquoi? Parce que si elle est 10-5, l'atrocité elle fait mal. Fonctionne très bien avec les dross. S'il est 9-6, ça fait très mal aussi. Donc c'est une sorte de finisher sympathique pour quand vous avez mis les dross, une option supplémentaire que votre adversaire est obligé de considérer et pour laquelle il va être obligé de garder du mana continuellement ou bien d'accepter de perdre la game. La vengeance en un exemplaire, juste parce qu'on a de la place et que la vengeance est une bonne carte contre certains decks. On a déjà les thermos, mais il y a certaines cartes qui sont chiantes, typiquement vie, et un peu chiante à gérer avec un thermo. Ceux qui endurent tout ça, donc avoir une vengeance ça peut faire du bien. 3 les dross, diviser les points de vie en 2. Du Nexus adverse, et en plus, c'est arrondi vers le haut, les dégâts. Donc s'il a 19 points de vie, vous le descendez non pas à 10, mais à 9. Ce qui veut dire que l'atrocité fait son taf, vous voyez. Donc si l'adversaire est ne serait-ce qu'à 19, vous le descendez à 9, vous mettez atrocité sur les dross, vous avez gagné. Corina qui va oblitérer, donc qui défausse totalement de la partie ces cartes-là, vous ne pourrez jamais les récupérer. Et vous allez infliger un point de dégâts pour tous les sorts ainsi oblitérés. C'est pour ça qu'il y a si peu de créatures dans le deck. Vous avez 5 créatures dans le deck, vous avez 8 créatures dans le deck, vous avez 10 créatures dans le deck, vous avez 13 créatures dans le deck. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'une seule créature de plus, parce que si vous mettez plus de créatures, votre Corina ne sera pas stable. Pour finir la ruine, vous tuez toutes les unités. Du classique aussi, voilà voilà. Le deck est fort connu, mais je me devais un jour de vous le présenter. Vous voyez qu'on est fort monté, on est monté avec le deck de la vidéo d'il y a 2 jours. qui est très très cool aussi. Mais on va jouer un peu de Corina et on va voir comment ça se passe. Les mauvais match-up du Corina, c'est principalement tout ce qui est Ionia Karma. Endure est pas le meilleur match-up. Et puis à côté, tout ce qui est agressif, tout ce qui est Demacia, aggro, tout ça, c'est très très fort. Alors, contre H Noxus, j'ai envie de dire qu'on est censé être avantagé. Si on a un Ledros, si on a une atrocité, ils peuvent pas faire des tonnes de choses, hein, à part geler le Ledros. Et pour le reste, eh bien, c'est juste un deck qui a une ruine, et la ruine, pareil, ils peuvent rien faire contre. La vie, pareil, ils peuvent pas faire grand-chose contre. Donc, ouais, ils n'ont pas des tonnes d'options pour tout. Vous voyez, un JTU en main de départ, c'est quand même vachement triste. C'est pour ça que j'ai Mulligan le premier, on a eu le deuxième. De façon générale, ce que je voulais au Mulligan, c'était d'avoir ma hélice, c'était d'avoir mon éclosion mortelle, afin d'avoir la pression, et alors avoir des vies dans la main de départ, vous les gardez, hein, parce qu'elles sont buffées du premier tour, vous jouez des cartes jusqu'au dernier. Donc là, quand on arrivera à T5, ces deux vies seront des forces de la nature, 7-5, 8-5, et je serai très heureux de les avoir. Vous voyez qu'ici, on a la belle curve araignée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a Élise, on a araignée, et on a l'éclosion mortelle. Par contre, il nous a vraiment papaouté, là, parce qu'il nous a mis un tambour de la Légion buffé plus 1 plus 1 par le règle en top deck, qui traite parfaitement dans la Élise. C'est dommage. On va dire ça comme ça, c'est dommage. Ok, il va utiliser ce truc et du coup je pense qu'on est obligé d'utiliser notre Élise. C'est terrible, hein, mais sinon je ne viendrai pas à bout de cette carte et ça me coûte cher, ça me coûte très très cher. Peut-être que la vie pourra rattraper ça. Bon, elle sera 5-5 du coup la vie, mais c'est dommage, j'ai perdu mon avantage early avec cette combinaison de Challenger plus tambour de la Légion qui fait très mal. Et la hache aussi a été buffée, waouh. Ok, le mec il a du talent, hein, clairement. Le mec il a très clairement du talent ici. En plus j'ai peur de ses buffs de PV, si jamais il en a, c'est possible. Du coup cette hache elle tue ma vie, super, on a la ruine. Ça c'est une bonne nouvelle.
Parmi nos malheurs du fait que les deux cartes qui les buffaient soient littéralement certaines des cartes les plus fortes du jeu, bah au moins on peut faire quelque chose du reste. Alors, j'ai passé, mais là il a de quoi faire du, il a de quoi faire des PV supplémentaires ces créatures. Ça m'arrange pas des tonnes. On va se défendre. Je pense que je vais tenter un JTU ici. Cher le JTU, vous voyez, hein, 4 mana tellement cher. Ça passe, ok. Au moins on se débarrasse de ce loup givre rock qui allait être chiant pour le futur de la game, ça je peux vous le dire. Il a pas de buff de PV, ça veut dire c'est aussi une très bonne information pour notre vie. Après il peut avoir du gel tout ça. Donc à surveiller. Si je fais une éclosion mortelle ici, je pense que je vais la faire. Ouais. J'ai deux faibles gémissements. Je le vois pas me mettre 20 dégâts au prochain tour avec une hache level up. Ok, aurore pour réel. Ah merde, ok. Ok, donc il joue un deck troll. Je pensais qu'il jouait un deck hache Noxus intelligent. Non, il joue clairement un deck troll avec des poros. Merde. Moi qui tryhardais à mort. Bon bah la ruine va lui faire très très mal, mais on va attendre pour la mettre. On va intelligemment attendre. Ici s'il attaque directement, on va lui mettre un faible gémissement tout simplement dans ses cartes. Sa principale menace maintenant du coup c'est H. H est la menace à gérer ici. Je vais continuer à passer, j'ai pas très peur. Ok. Il va sans doute utiliser, voilà, le Porosnax, c'était logique. Deuxième Porosnax. Ça veut dire qu'il protège pas du tout sa hache ici. Mais c'est pas très important, on va pas s'exciter ce tour-ci. La hache est à 3 sur 5. Ce tour-ci, on va mettre en jeu vie. Du coup, c'est mieux. La vie va pouvoir aller trader ses poros. Je suis mon propre renfort. Essayer d'infliger 10 dégâts si possible. Alors. Ouh, les dross. Très intéressant les dross. L'enjelure d'âge, il a une autre hache, ok. Bon, vous voyez que ça. Au final, sa hache meurt sur double faible gémissement. Et ici, au moins, il a pas pu remettre l'autre qui était de sa main. Donc, on va littéralement claquer le double, je crois. Double faible gémissement. Si ça passe pas, on a la ruine. Donc j'aurais pu le mettre avant. Mais il avait encore de la mana, il pouvait encore jouer plein de trucs. Il a trouvé de quoi buffer sa hache. Il l'avait pas autour d'avant. C'est chiant aussi, décidément. Je vais devoir lâcher une ruine sur ce board. J'espère juste qu'il soit assez bête que pour remettre du board supplémentaire. Ah, il va pas jouer autour. Non, il va faire assez cassant pour la level up et pour pouvoir passer tous ses dégâts. Sauf que c'est vachement utopique ça. Il est à 7, 10, 13, 16, 19. Il est pile poil à l'étal, mais ça sous-entendrait que j'ai 0 heal et que j'ai 0 moyen de gérer. Et B. Je vais lâcher un faible. Hein. Je vais lâcher un faible gémissement. Et quand il essayera d'augmenter les PV des trucs, c'est juste dommage que ce soit pas instantané. Pour Osnax, ouais. Purée, il y en a combien là? Parce qu'on va mourir. On va mourir si on tue pas le truc. Là, ça fout la haine. Je peux pas bloquer avec la vie, c'est trop tard. J'aurais peut-être dû utiliser le brise coffre de vie pour bloquer un truc. Ah, on va se faire avoir par le deck poro. Non, c'est bon. Pouh. Eh B. Chiant de cette hache. Elle est très chiante. Elle a bien failli m'avoir. C'est pas les poros qui ont failli m'avoir, c'est la hache. Ouais, ici du coup je vais voir si je peux tuer la hache. Parce que si je peux. Ah non hein. Il joue max enjolure et tout. On va devoir claquer une ruine, mais du coup On est mal barré hein. Une carte de sa main, c'est du gel. Ouais, on a perdu même. Si je fais ça, on a perdu. Je sais qu'une carte de sa main, c'est une flèche. On va juste espérer que les autres cartes de sa main soient aussi des trucs nuls. Mais j'ai pas de poigne pour gérer la hache.
Non, hein, ça va être des créatures. D'office, il a des créatures là-dedans. Bah ouais. Pff, en plus, il joue le Poro surpuissant. Ouais, non, on est mort. On est mort. On s'est fait déglinguer par le deck Poro. Ça fait mal au cœur, mais juste cette sortie H, quoi. Cette sortie H, de quoi la garder en vie en top deck, parce qu'il l'avait pas au tour avant. Du coup, j'ai pas joué au tour. Je pouvais absolument rien faire. Donc, c'est pas les Poro, hein. Même si les Poro Snax nous ont fait mal, mais c'est pas les Poro, c'est vraiment... Ouah, pardon. Pardon. Vous savez combien de games c'était ces 23 places? Vous savez combien de games c'était ces 23 places? C'était 6 games. C'était 6 games. Je viens de prendre l'équivalent de 6 games en défaite, tellement le mec est mal classé. Ah, c'est dur le master, je vous jure. Ah, c'est dur le master, je vous jure. Ça fait mal au cœur, ça. Ça fait très mal au cœur, ça. Genre, c'est fun, hein. C'est fun et c'est chouette, hein. Tu te fais défoncer par un deck troll. Le mec, il explore les profondeurs du rang master, il fait sa sortie parfaite, mais ensuite... Ensuite ça quoi. Après il y a les conséquences et elles sont pas fun les conséquences. Mon dieu quoi. Ok. Pouah. Ah je viens de prendre un coup dans mon fun là. Je viens de prendre un coup dans mon amusement. C'est pas du tout ce que je veux voir quand je suis contre un fils cette main. C'est pas du tout ce que je veux voir quand je suis contre un Fizz. Le deck en face, pareil, c'est un deck principalement fun. J'ai vu quelqu'un faire des résultats avec, mais c'est le deck le plus high roll qui existe au monde. Il va jouer des cartes qui mettent le Fizz à 4-4 et qui peuvent mettre le TF à 4-4 et tout, qui sont le gant d'équipement, je crois. Et bah, s'il a sa sortie parfaite, il va nous écraser. Et s'il a pas sa sortie parfaite, il va perdre un certain time à la game, mais nous avons littéralement la pire main. C'est une catastrophe. J'ai gardé du heal parce que je sais que son deck a plutôt vocation agressive, mais une créature ça peut faire du bien aussi de temps en temps quoi. Ah, merci le jeu. Merci le jeu. Le jeu qui a pitié de moi. Le jeu qui a pitié de moi, il se dit c'est bon. je vais te donner une créature. Je vais te donner ta liste T2, ça compensera toute ta sortie de merde. Le jeu n'a que partiellement tort, vous savez ça. Le jeu n'a que partiellement tort ici. Cette simple liste T2, c'est un early game suffisant que pour peut-être ne pas souffrir dans cette partie. Merci Elise d'être une aussi bonne carte, parce que sinon, sinon je sais pas trop ce que je faisais. Hein. Sans le top deck, là j'avoue, je sais pas trop ce que je faisais avec ma main full spell. Ah bah évidemment. Le patrouilleur qui coûte moins 1. Vous voyez, c'est juste le but du deck, c'est de top deck au bon moment. Quoi. Le but du deck en face, c'est littéralement, je top deck les cartes au bon moment, donc je fais des trucs avec. Et si vous les top deckez pas au bon moment, bah vous faites rien du tout et votre deck est nul à chier. Mais si vous les top deckez au bon moment, attention, le patrouilleur 4-3 pour 2 c'est fort, le boost à 4-4 pour 2 c'est fort, enfin bon, voilà. C'est... Donc littéralement, si vous gagnez pas avec le deck en face, c'est que vous avez pas assez de talent, les gars, c'est tout, c'est... C'est un manque de skill, hein. C'est un manque de skill. Là, mon adversaire, il a pas encore eu le boost 4-4. Je tiens à dire, c'est un gros manque de skill de sa part. Il pourrait faire un effort. Ah, le coup de ce monstre qui arrive, ça va commencer à voler mes cartes. Demandez pas d'où ça vient. Demandez plutôt le prix. Le deck en face, c'est genre la version fun du deck que j'ai fait à la base. Et c'est juste la version où t'as absolument rien qui va fonctionner si t'as une mauvaise sortie. Ils ont changé, ils ont mis à jour. L'animation, c'est trop joli. C'est trop joli. Bon. Qu'est-ce que tu m'as volé comme carte? Est-ce que tu m'as volé un Ledros? Parce que j'ai déjà un Ledros en main. C'est ça qui est horrible, en fait. C'est de se dire qu'il a volé 3 cartes. Il peut avoir volé des trucs nuls. Hein. Mais comme il a pas volé vie, comme il a pas volé Elise, il peut avoir volé Corina et Ledros. Hein. C'est hautement probable. J'espère que non, mais c'est hautement probable. Pardon. Restez un peu. Genre non en fait. Genre non en fait. Juste non. Ok, ça c'est sa carte en top deck. Ça c'est une des cartes qu'il a volé de mon deck. Il m'a volé un statique. Non, il m'a volé un vil festin. Très bien. Ça me dérange pas du tout vu que j'avais la deuxième Elise en main. Hein. Puis ça m'affiche pas de dégâts face. Donc ça je suis content. Il joue TF, il joue Fizz, donc faudra faire attention quand eux arriveront sur le terrain. Il m'a volé une éclosion mortelle. Bon, à nouveau, c'est pas trop grave, on a le faible. Il a déjà attaqué, donc il fera rien d'autre ce tour-ci, donc il va passer. Donc on va tuer son board ce tour-ci.
Allez, au moins, tu vois, celle-là, c'est ok. Celle-là, c'est ok. Je peux gérer. Je peux gérer mes propres araignées. C'est dommage. Moi, j'aurais pas mon éclosion mortelle, du coup. Mais il m'a volé deux cartes. Relativement inutile. La ville festin, éclosion mortelle. Il lui reste une carte à moi. Prenez l'habitude de compter le nombre de cartes qu'il a à vous, les amis. Comme ça, vous savez... Ah bah, bon, j'aurais dit. Talent. Il peut avoir TF, mais s'il a pas joué TF jusqu'à présent, à mon avis, c'est qu'il l'a pas, parce que le TF aurait déjà pu être bien dans pas mal de situations. Allez-y. Dans le pire des cas, il joue TF, on a le rayon thermogénique à 2 pour le gérer. C'est juste que ça met une telle pression, s'il a pas TF, TF en top deck. Ah mais attends, quoi, il a pas géré les araignées? Ah, il m'a volé un faible gémissement. C'est ça? Il m'a volé un faible gémissement. Eh ben, ok. Donc TF en top deck et le faible gémissement que de toute façon il m'avait volé, donc c'est pas ce qu'il y a de pire, ça va, c'est bon. C'est encore une fois, on est dans la catégorie gérable là. C'est chiant, c'est fatigant, c'est pas cool pour moi, tout ce que vous voulez, mais c'est gérable. Fizz, j'aurais dû savoir que t'étais une Sama. Donc Fizz par contre c'est beaucoup plus difficilement gérable hein, comme carte. Je ne suis pas cupide moi, mes amis en revanche. Et là, par contre, ma main, c'est une catastrophe. Il peut protéger son Fizz à tout instant. Donc, je peux rien faire contre son Fizz. Et il va même le level up ce tour-ci. Avec la bonne pioche. What? Et il a 0 mana, mais il peut lancer le coup de ce monstre pour protéger son Fizz, du coup. Il y en a qui sont heureux. Il y en a qui sont heureux. Je peux réduire les dégâts à 17, dans les deux cas ça fait la même. Le coup de ce monstre, il va l'utiliser pour sauver son fils de toute façon, donc je peux pas utiliser ma poigne sur fils quoi. Je peux pas utiliser ma poigne sur fils. C'est comme ça. Le fils level up, c'est un gros problème pour ce deck. Hein. On n'a pas vie. Vie, c'est la meilleure réponse. Si vous avez vie, vous l'éclatez. Bon, au moins la pêche au gros me fait pas peur parce que j'ai faible gémissement et statique. C'est déjà ça. Ah, allez, vie. Je fais ça à ma façon. Allez, vie. Ok, donc il a 3 cartes éphémères, c'est ces cartes-là, il va devoir les jouer ce tour-ci. Je sais pas ce qu'elles sont. J'espère juste qu'il a pas un grand Rex dans le tas, parce que sinon ça va devenir vraiment compliqué pour le coup. Ok. Moi je tente mon kill. Hein. Oh, ça passe, yes, un Fizz en moins, allez. J'imagine qu'il a Fizz dans les cartes à invoquer là. C'est ça. Malheureusement, il y avait une raison. Il ne me laissait pas ça pour le plaisir de me le laisser. Bon, Ledros au prochain tour. Il me balance un coup de ce monstre, quoi. Il a du pillage en main. Ah, c'est chiant. Mes trésors parlent d'eux-mêmes. Compliqué cette game, hein, vraiment. Ça a l'air de rien, mais compliqué cette. Et voilà l'équipement. L'équipement qui le met 4-4, du coup. Bon, qui fait rien d'autre, mais qui le met 4-4 quand même. C'est. Ça a le mérite d'être inquiétant. La marée arrive. Serrons-leur la pince. Voyez ça avec mes poings. Je laisse Fizz passer. Hein. Ah, il a un deuxième équipement top deck. Cool. Parfait. C'est pas grave. Non, si on fait ça, on a cuit. C'est grave. C'est grave. Ok. On va jouer les Dross et on va essayer de faire la value sur les Dross. On n'a pas le choix. Regardez-les. Que sont-ils devenus ? On espère qu'il n'ait pas trop de folie ici. Il peut plus se rallier ce tour-ci, même s'il a le sort à Fizz. Et s'il balance ses pêches au gros, je vais juste balancer mon faible gémissement qui peut pas me contrer. Parce que ça, au moins, ça les tuerait. Ouais, donc il va me balancer ses pêches au gros ici. Sauf que les pêches au gros, du coup, elles sont gérables facilement. Un choc de statique, faible gémissement. Si je top deck une Corina, ça le gère aussi. Je pense que la meilleure carte que je pourrais avoir, vraiment, c'est Corina pour le coup. Si je top deck Corina dans ce match-up, c'est juste free win. Ok, il m'a volé un choc de statique, ça c'est à moi. Il est réduit à 1 par le boutiquier. Donc il a plus de cartes à moi à nouveau ici. Il a à nouveau plus de cartes à moi. C'est dommage qu'il ait pas balancé les deux pêches au gros. J'aurais préféré gérer les deux d'un coup. Ok, on a la ruine. Faut être intelligent sur comment on va l'utiliser.
Là, je vais setup les choses pour mon faible gémissement. Et peut-être que du coup, il va essayer de jouer autour du faible gémissement et pas autour du... Pas autour du reste. Je sais pas. Il a que 5 cartes en main, ça peut aller très vite vu que ses cartes sont vraiment pas chères. Mais il peut aussi avoir value littéralement infinie avec des fizz et tout le tralala, donc... Bon, moi j'ai value infinie avec les dross, mais ça me coûte beaucoup de mana cette value infinie. Oh, le JTU à 2. Le JTU à 2. On va tenter de taper le fizz avec. Parce que si ça passe, c'est goldé. Si ça passe, c'est incroyable. A nouveau, il a pas des tonnes de spells en main. Il a probablement un spell pour empêcher le fizz d'être touché. Je dis pas, mais ça va le forcer à jouer quelque chose. Et là, j'ai envie de le forcer à jouer des choses. Ok, voilà. On le force à jouer des choses, vous voyez, c'est ce que je disais. Il a 4 cartes en main. Mais il a plus ça. Il a plus celle-là. On va devoir faire le faible. De toute façon, pour gérer cette 5-1 et cette 4-1, on va devoir faire le faible gémissement. Pas le choix. Puis on aura un thermo à 2 mana. Et surtout, il va devoir bloquer avec une carte Soledros. Il aura pas le choix. Il va devoir bloquer avec une carte Soledros. Il a plus de pêche au gros. Toujours partant TF. Pour une partie ou deux. Ok, il voulait me taper face. Il voulait m'infliger des dégâts. Face pour pouvoir me piller ici. Il doit avoir une carte qui fait pillage. Je fais exprès de faire le faible gémissement maintenant pour que, pour que le coût soit pas réduit de 1 par le boutiquier. Parce que bon, hein, déjà il va me voler mes cartes, donc As de poche. Ah, oh ça va, ça va. Du coup le thermogénique fait l'affaire. Du coup le thermogénique fait amplement l'affaire ici. Il a sans doute une marchandise chapardée ici. Il va utiliser la marchandise. C'est ça. Ça level up le TF assez vite, les marchandises. J'espère qu'il en a pas deux. Ok, il a pas l'air d'avoir eu de quoi gérer mon Ledros. Donc normalement je vais pouvoir attaquer avec Ledros ici. Forcer le trade du Fizz. Forcer le trade du Fizz, ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Yep, allez, Fizz est mort. Yes. Dis-moi qu'il en a pas une autre dans la, un autre dans la main par contre. Parce que si c'est le cas, ça va commencer à devenir compliqué. Dis-moi qu'il peut pas voler de l'Edros non plus. Ok, une vie c'est bien, mais bon. Éclosion mortelle. Ça en fait des points de dégâts tout ça. Mais il a encore 8 mana. Hein. Il m'a volé 2 cartes. Après, les cartes sont pas réduites. Et franchement. Franchement, vous savez quoi. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui fasse plus que 8 points de dégâts pour 8 mana de sa main. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui fasse plus de 8 points de dégâts pour ça. Ok, il m'a encore volé une carte assez horrible par contre. Le charlatan Yordle, ça le remet dans la game aussi. Tellement de cartes qui l'empêchent de mourir ici. Je me sentirais bien plus à l'aise si j'avais... Ouh, l'atrocité. Parfait. Parfait, donc je dois juste pas mourir ce tour-ci. Je dois juste pas mourir ce tour-ci. Dis-moi qu'il a pas de grand Rex ou je ne sais quoi. Dis-moi qu'il a pas de grand Rex. Il m'a volé. Il y a deux cartes à moi dans sa main, je crois. Deux cartes à moi, ça c'est pas une carte à moi, ça c'est la bonne pioche. Ok, il va tenter de me tuer prochain tour. Il va tenter de me tuer prochain tour. Si ici j'attaque, je le force à bloquer avec la 3-3, mais ça veut dire qu'il peut me tuer sur une carte à 3 qui m'a volé. Ça veut dire qu'il pourrait me tuer sur les JTU, qui pourrait m'empêcher d'atrocité. Donc j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. Ok, il a vengeance. Fait chier. Du coup, lui-même sait ce que j'essayais de faire comme petit plan, là. Lui-même sait ce que j'essayais de faire. Ok, la Corina. Corina, elle est forte, ici. Faut la tenter, hein. Faut la tenter, il a que 4 cartes qui soient pas des coups de semonce. Ça ne vise pas les cartes ici et ça peut le tuer. Et il a probablement pas volé du heal dans mon deck. Il a plus qu'une carte de mon deck, donc c'est... Peut-être qu'il a du heal, peut-être qu'il a un vil festin. Mais peut-être qu'il a une poigne, allez, mais bon. Faut que je le tente de toute façon. Ok, 4. Non, 3. Non. Traîtrise, désillusion, Corina. Corina. Ah, c'est dur.
Dites-moi ce qu'il vous faut, je le faucherai. C'est dur. Ok, il retente la bonne pioche ici. Est-ce qu'il m'a fait le bien joué parce que j'ai les dross ou parce qu'il a un moyen de me tuer? Non, c'est bon, c'est parce que j'ai les dross. Oh putain. Quel enfer, je vous jure. Normalement, il a pas de heal. Normalement, il a pas de heal. Est-ce qu'il a gardé du heal à moi? Bah, de toute façon, je peux pas... De toute façon, j'ai pas 50 000 façons de jouer avec ça. Ok, il active le coup de semonce, il tente de me voler du heal. À nouveau, c'est ça, une autre marchandise chapardée. Purée, il a eu les 3 cette game. Après, il reste 13 cartes dans le deck. Je peux pas me plaindre. Ok. Il m'a volé une Corina cette fois, il a dû la défausser. Il a encore une carte à moi, là, je sais pas ce que c'est. Il cherche peut-être des bloqueurs en plus du... Damn, attends. Il tente le létal là. Ça passe pas, c'est bon. Je me sens super à l'aise cette game, c'était tellement facile. Oh là là. Quelle galère. La deuxième game, j'étais pas à l'aise, mais alors pas à l'aise du tout. En théorie, il m'a fait une sortie resplendissante. Bon allez, on a plus que 4 games à gagner quoi pour remonter là où on était. C'est la vie, c'est comme ça, c'est le master, c'est chouette. Sur ce, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Passez une bonne fin de journée, matinée, tout le tralala, bref. Faudrait que je me trouve un truc automatique à dire, mais je sais pas, j'aime pas moi les trucs automatiques. Bref, ciao tout le monde, c'était Ultraman, passez une bonne journée, bye.